première, je suis un peu fatigué, mais c'est normal. Ce sont des moments vraiment demandants pour tous nous. Mais aussi charmants, mais aussi, bien sûr, performants. Des moments avec une intensité très forte. En match, nous oblige sur les plans de la préparation et après sur les plans de l'exécution à être à notre limite. Même pendant tous les matchs, on a besoin de rester sur l'analyse tactique face au terrain d'une façon très concentrée. Et avec l'ambiance qu'il y a autour de nous, c'est pas facile de communiquer avec les joueurs. Donc, en mi-temps, c'est un moment capital pour faire quelques corrections et donner quelques conseils aux consignes. Donc, un match dur, un match difficile, bien sûr. Jouer pour deux équipes qui tactiquement ont essayé d'affronter le match d'une façon très, très, c'est pas rigide, mais très forte. La question de fermer les espaces, de ne laisser pas les contraires mettre ses meilleures capacités collectives et individuelles sur la pelouse. On a essayé de créer quelques variantes sur le plan offensif pour chercher à créer espace et gérer les espaces. On a senti aussi le même du contraire, donc c'est cet effort qu'on a fait et que les joueurs ont fait. Bon, c'est un match après que quand les équipes commencent à être fatiguées avec le temps à passer, c'est un match très, 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 je dois faire très attention parce qu'en détail, créer une situation et tu peux faire, mais tu peux aussi prendre en bout. Et dans une finale, dans une éliminatoire, aussi, ça c'est une question importante. On n'est pas content, on n'est pas content vraiment, mais on est tranquille. On a deux sentiments qu'on a en même temps, je crois que c'est normal. Parce que on est fiers de notre chemin. On a joué sept matchs dans le Champions League, au plus haut niveau. Je crois que notre joueur s'en a joué au niveau très fort, très bon. Les matchs, les jeux, en général, il y a quatre moments. On essaye de faire grandir l'équipe sur les quatre moments. L'équipe, offensivement, est capable de créer différentes variantes sur les plans de jeu. On essaye de... Dans le moment qu'on perd le ballon, d'être le plus fort possible pour diminuer les chances du contraire ou des contraires. L'organisation défensive, aussi, quelques efforts, beaucoup d'efforts des joueurs d'être, de comprendre comment défendre les espaces. C'est pas facile de jouer un match avec des joueurs qui explosent les espaces en terrain, ni même les espaces au dos d'une façon comme les joueurs d'Alar sont capables de faire. Donc, une bonne réponse. On n'est pas content. On est tranquille. Cette tranquillité, c'est la même tranquillité qui nous permet de penser qu'on peut aller, bien sûr, au deuxième match, avec la même discipline, organisation, et qu'on a aujourd'hui vu. C'est seulement comme ça qu'on peut gagner une équipe. Coach, bonsoir. Par rapport au match retour, pas au match retour. Tiens, Miguel Cardoso. Sourire. كي نحكي على المباراة نسمعوا أيضا في على مستوى الأسئلة وشنية إجابته لحظة On a vu l'éliminatoire que Alarli a joué contre Simba, contre TP Mazembe. On a vu les matchs qu'ils ont fait ici l'année dernière. Donc, on comprend, on a bien étudié comme on a pensé sur le plan tactique les matchs ici. Mais bien sûr, quand on regarde les autres matchs, parce qu'on a vu des autres matchs aussi, tu comprends aussi comme ils sont capables de jouer à la maison. On
doit pas quitter quelque chose sur la capacité des contraires, parce qu'ici, dans un positionnement, on peut un peu plus, comme je peux dire, concerné sur la question de l'organisation défensive. C'est un match complètement différent. Les deux équipes vont beaucoup faire pour avoir les ballons. C'est important que pour nous, pour faire un but et gagner le match, on a besoin d'avoir les ballons. Donc on va chercher de gagner, de gérer, de travailler sur ça. Mais maintenant, mes pensées sont surtout sur la récupération des joueurs. C'est un match fatigant. Faire les repos, faire la récupération, voir qui est dans les meilleures conditions, et bien sûr, choisir les joueurs pour après, ensemble, définir les plans du jeu et le préparer sur les entraînements. Kineza Miguel Cardoso. شهير حكى على مباراة العودة وحكى أيضا على المباراة اليوم. قال سمعته أكيد. قال أهم ما قال أنه غير راضي عن النتيجة. قال لعبنا دفعنا بالبيت، تعبنا أمام اللاعبين الأهلي المصري اللي قلقونا على مستوى الدفاع، لكن الحمد لله أن دفاع الترجي ما قبلش الأهداف، وهذا هام جدا. نتيجة 0-0 قال مانيش راضي، وسمعتوها اكيد. وتحدث عن مباراه العوده ايضا، قال الان بعد التعب الكبير في هذه المباراه راحه ومش نحضر مباراتنا كما هي. شكرا لك لطفي، نكتفي بهذا.